Alors, comme je te l'ai promis, me revoilà pour encore une vidéo autour du programme Libre de cuisiner. J'ai partagé avec toi les détails du premier module qui sont les bases, deuxième module, la cuisine organisée, troisième module, booster ta créativité qui est vraiment un module qui me tient à cœur aussi, le quatrième module avec les épices et les herbes fraîches. Et là, je voulais qu'on parle un petit peu plus des légumes, des légumineuses, de la cuisine anti-gaspi. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Eh bien, dans un premier temps, la cuisine, les légumes, comment tu vas faire pour faire aimer les légumes à tes enfants? Comment tu vas rendre tes légumes attractifs? Même si tes enfants n'aiment pas les légumes, et j'en sais quelque chose, il y a des moyens de leur en proposer, de leur faire découvrir de nouvelles saveurs, de les proposer peut-être sur des formats plus gourmands, plus croustillants, plus attractifs, ou parfois de les rendre complètement caché dans une sauce bolognaise par exemple, ou dans une tarte, ou dans un gâteau. Hein. Est-ce que tu connais le fameux gâteau au chocolat à la courgette, le fameux brownie au potimarron? Eh bien tout ça, ce sont des façons de faire manger des légumes à tes enfants. Et là, ce sont quelques recettes que je te livre comme ça rapidement, mais on en verra pas mal d'autres et pas mal d'autres astuces qui permettent aux enfants ou aux parents, hein, parce qu'il y a certains adultes qui n'aiment pas trop les légumes, comment on va pouvoir leur proposer quelque chose qui leur fait plaisir. Donc ça, c'est les légumes. En ce qui concerne les céréales et les légumineuses, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que bien souvent, on cuisine un peu toujours les mêmes céréales. Ça va être le riz, ça va être peut-être le boulgour, les pâtes, bien sûr, le blé. Et puis, sorti de là, on n'a pas toujours beaucoup d'idées, puis on a peur de se lancer. On se dit, oui, j'ai entendu parler du quinoa, mais moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas en plus où acheter du quinoa. J'ai entendu parler du millet, j'ai entendu parler du sarrasin, j'ai entendu parler de plein de céréales comme ça, mais je ne sais pas les cuisiner. Eh bien, ça, je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre comment les rendre savoureuses. Je vais t'apprendre comment, en mettant du sarrasin à la place du riz, tu transformes complètement ton repas. Par exemple, lors d'un repas de Noël, quand on pouvait encore faire des ateliers de cuisine, j'avais fait une purée de sarrasin avec un petit peu de crème et j'avais fait snacker des Saint-Jacques. Et bien, rien que ça, la Saint-Jacques et le sarrasin, on est sur quelque chose qui nous rappelle la Bretagne. Voilà. Quand je vous parlais d'avoir des réminiscences, des souvenirs gustatifs, là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que le sarrasin, c'est une céréale qui a le goût, vous savez, des crêpes au sarrasin quand vous êtes en Bretagne, les galettes, ce qu'ils appellent les galettes de blé noir. C'est du sarrasin, c'est de la farine de sarrasin. Donc là, quand vous allez associer des graines de sarrasin que vous allez faire cuire rapidement comme des céréales et que vous allez rajouter là-dessus des Saint-Jacques un petit peu poêlés, eh bien, on a vraiment ce sentiment d'être en Bretagne parce que c'est deux produits qu'on retrouve là-bas. Alors voilà, c'est ce genre de choses que je vais vous apprendre à cuisiner les céréales de manière gourmande, un peu originale, qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour sortir du traditionnel riz blanc, parce qu'il y a plein de sortes de riz, pour sortir des traditionnelles lentilles aussi, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir utiliser, il y a les pois cassés, il y a les haricots rouges, les haricots blancs, il y a plein de légumineuses qui sont trop bonnes. Et au niveau des lentilles, vous avez différentes couleurs de lentilles, les lentilles corail, les lentilles jaunes, les lentilles noires, les lentilles vertes du puits, voilà. Comment on les utilise et puis aussi, comment on peut les rendre plus digestes? Qu'est-ce qui fait que les lentilles vont moins nous ballonner, que les céréales vont moins nous ballonner? Comment on fait pour les cuisiner différemment? Ça, c'est donc ce fameux module numéro 5. Et puis, la cuisine anti-gaspi, c'est quelque chose auquel je tiens aussi, parce que la cuisine anti-gaspi, ça va te permettre d'être un petit peu plus inventive. Évidemment, je vais te donner des recettes, des bases que tu vas pouvoir réutiliser. Qu'est-ce que tu vas faire avec du riz? Ben moi, par exemple, avec du riz blanc, quand il me reste du riz cuit, bien sûr, et la recette, je te l'ai donnée sur Facebook, quand il me reste du riz cuit, je vais le transformer bien souvent en riz cantonné. Il faut savoir que nous, dans la famille, on est des fans de riz, de cuisine asiatique. Donc là, en fait, je le transforme en riz cantonné. Je mets du gingembre, je mets de l'ail, je mets un petit peu des cébettes, je fais revenir tout ça. Je mets mon riz, je coupe des petits cubes de jambon ou pas, parce que mon mari étant végétarien, bon, le jambon, ça ne le fait pas. Je mets des morceaux d'omelette, je mets un petit peu de soja et je vais mettre du gnoc mam. Le gnoc mam va donner ce goût de riz cantonné, le goût un peu asiatique. Et puis, je vais mettre de la coriandre
Et puis, je vais mettre aussi, si j'en ai, pourquoi pas, peut-être du 5 épices aussi. Le 5 épices, c'est ce goût un peu asiatique. Donc, dans la cuisine anti-gaspi, si tu as un reste de riz, si tu vas pouvoir faire ce riz cantonné. Si tu as un reste de poulet rôti, le dimanche midi, tu fais un poulet rôti, c'est un peu traditionnel. Eh bien, moi, le lundi, bien souvent, si j'ai des restes sur la carcasse, des restes de blanc, je fais revenir mon poulet avec, pareil, de l'ail, un petit peu de cébette, un petit peu d'oignon, etc. Je mets du riz cru, pour le coup, du riz cru. Et puis, je vais mettre peut-être un bouillon cube et je vais faire un riz sauté au poulet. Une sorte de petit risotto, si je veux, en le faisant cuire un petit peu plus longtemps. Voilà. Tout ça, ce sont des astuces que je vais te dévoiler dans le programme, tout au long du programme, comment tu vas pouvoir, au quotidien, ne plus gaspiller, être créative, avoir des idées, utiliser les épices, créer des plats du monde. Voilà, te faire plaisir en cuisine, surtout te libérer de ce carcan des recettes tout le temps, de laisser parler ton esprit, de laisser parler tes goûts, les saveurs que tu as envie de donner. Et puis surtout, même si tu n'as pas envie, même si un jour tu n'as pas envie de cuisiner, eh bien je t'enseigne aussi comment faire ces jours-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir? Parce que moi, je suis comme vous, hein. Il y a des jours où j'adore cuisiner, je me sens vraiment l'âme. On va faire plein de trucs, puis il y a des jours où pas envie. Eh bien voilà, de toute façon, il y aura toujours quelque chose à manger et il y a des astuces pour ça. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Et le prochain module, je vous parle un petit peu de la cuisine autrement, cuisine santé. Et du repas, le fameux repas de fête. À plus !